je pense. Tu penses que genre c'est... tu le bats si genre tu lui attaches les deux bras et deux jambes? Donc à la fois je m'en suis tout. Bon, inutile de dire qu'il y en a un qui a un léger avantage ou autre. Ah c'est pas possible qu'il se prenne des trucs. Et il est en train de se prendre des trucs d'ailleurs. Ouais, il s'est pris des trucs tout à l'heure aussi. Ah j'ai pas regardé. J'étais pas présent. Alors, notons cet échec retentissant. Ah ouais d'accord. Ça y est, tu commences à râler sur tes défaites toi aussi? Non. Genre. T'es un mytho. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai commencé quoi. Ah. Allez, me tapez-vous. C'est parce que j'ai pas eu mon café. Ah ouais. Ça y est, t'as commencé à t'en sombrer. Bah écoute, la dernière fois que j'ai bolossé tout. C'était grâce au café. C'était avec deux cafés dans le sang. Si t'avais vénère ou quoi? Non. Je sais pas, des fois tu nous dis que faut que tu joues énervé pour que tu joues. Ouais bah là ça marchait pas. C'était énervé? Non, ça marchait pas. Ah, ah oui mais bon c'était à 15 secondes, ça marche ou pas c'est... Ouais, je suis parti en calme. Si je meurs avant la fin du stream c'est normal. C'est que visiblement. J'aurais été un peu trop insolent. Bah de toute façon manifestement on a des preuves ce soir que les fox autour de moi disparaissent. Moi j'ai pas croisé ta route. Donc, ouais. J'ai encore le bénéfice du doute de pouvoir dire. J'ai croisé 10 jeux contre Jean et je t'assure que j'aurais jamais dû les gagner. Jean il a décrété de faire des side B dans le vide à chaque fois qu'il était dans le vide. Ouais bah après j'ai l'impression qu'il a pas joué quand il était. Ouais bah il est rouillé quoi. Voilà. C'est pas mérité quoi, c'est ce que je veux dire. Oh là là. Alors déjà. Pardon. Vous commencez par me parler poliment. Bon c'est très poli. Quoi? Je dis bonjour. Si je te dis bonjour tout à l'heure. Si tu aurais été poli, ça aurait été de t'excuser de venir dans mes courriers électroniques. Pour venir me demander si tu pouvais utiliser ma thèse. Je vais te goumer. Tu connais ce terme? Oui je connais ce terme, je sais toujours pas ce qu'il veut dire mais ça fait réagir les gens. Oh t'as bossé. Je vais te goumer, tu vas pas avoir de problème à rester debout jusqu'à 5h du mat. Enfin ton principal problème ça va être de littéralement rester debout, mais pas de rester éveillé. Parce que t'auras plus de cheville. T'auras plus de genoux, t'auras plus de tibia. Et du coup je tombe. Ouais, mais tu seras bien debout. Non. Cardi. En plus il est con. Bah disons qu'on est pas arrivé. Il comprend pas le principe des. Expliquez-lui dans le chat s'il vous plaît. Expliquez-lui le concept des genoux. Les jambes ça sert à rester debout. Si tu les casses ça va plus. Bah tu te mettras assis. Ah tu vois. Je ferai un nœud avec tes jambes. Putain. Tu les vois loin. Mais par contre, que... tu seras bien éveillé. Jusqu'à 5h du mat. Tu veux pas, hein? Ça se trouve, je vais me m'évanouir. Je te ranimerai. Un grand coup de baf dans la gueule. C'est bon de voir. Bah, dis donc, il s'est réveillé, Falcon. C'est quoi? Il s'est réveillé, Falcon. Bah, carrément. Tout à l'heure, c'était un gros 3 stock avec un nombre de suicides scandaleux. Après, c'est. La plus automatique d'iPhone. Il y a deux trolls assez sympathique. Ça lui permet de garder un contrôle sur la game même quand il est en train de perdre. Oh là là. Après le full up downer. Ah bah je dis pas que c'est parfait, je dis juste que c'est quand même vachement grave que. Non mais je l'engueule là tu vois. Ah d'accord. C'est passé. Je dis qu'à un moment donné, voilà. T'appuies bien sur les boutons, merde. Ça suffit. Oh non mais. Non mais non tu mais... mérites. Tu non mérites mais... Putain. Ça va pas hein? On est où? Au zoo. C'est moi le gardien. Voilà. Oh toi t'es un singe dans une cage. Si. Ah si. Ah si. Le chat dites-nous en commentaire lequel est le plus singesque entre nous deux. Signesque. Ok je suis peut-être cramé du coup.
bâtard. Ah, ça va. J'ai peut-être remonté là. Attends, moi je connais un prof de littérature du 18ème siècle. Il te connaît. Tu le connais pas. Ah bon, on a eu un échange de mails, on se connaît. J'ai reçu l'expression de ses salutations cordiales. Tu sais au moins à quoi il ressemble. Oui, il y a une photo. Pas trop de doutes. Non mais c'est Canor, je m'attendais pas à ce que tu sois de mon côté. Merci, c'est Canor. Même si t'as pas pris position, j'ai une petite idée. Moi je pense qu'il y a zéro doute. Bien sûr, il y a zéro doute. Toi, est-ce que tu passes ta vie à gueuler en weekly? Oui. Ah mais comme moi. Non. Oh! Secours, sauvez-moi, Ahmed. Arrête, c'était scié. C'était un genou d'un Falcon. Rien à voir, c'était le F-Smash de touche pour lequel j'ai fait oh. Ah. Ah bah alors. Ah, dès que ça change de personnage, bizarrement là c'est plus stylé. C'est très raciste. Non, je dis juste que les genoux de Falcon, c'est jamais stylé. Oh oui. Les gens ils se branlent dessus. Falcon c'est jamais stylé tout le temps. Mais alors le pire c'est les Stompni quoi. Genre le truc, le combo il date d'avant mêlée. Et les gens ils sont encore étonnés que ça passe quoi. Le combo qui vient du Paléolithique. C'est ça, je pense que tu vas à Tu vois la grotte de Chauvet, il y avait déjà Tu vois la grotte de Lascaux, bah, je suis sûr qu'il y a le dessin d'un mec c'est ça qui est habillé en peau de mammouth et qui met des coups de genou à un caillou. Je pense que l'origine du truc est effectivement préhistorique. Alors bah non, t'as rien dit. Bravo, c'est Canor. Assume tes opinions. Oh, t'es en droit. Hein. Je t'en voudrais pas. Limite, je le prendrais bien, je pense. Non, mais je crois qu'il a changé d'avis là. Ah. Ouais, non, je pense que t'es un banon en mode. Oh, bah non, j'ai rien dit, tu vois. Vas-y. Toi, par contre, tu prends mal le fait d'être un singe. Bah non, je sais, j'en suis un. Hein. Bah non, tu vois. C'est juste que je suis le singe gardien du zoo. Non. Si. Tu sais conduire une voiture de golf? Non. Je sais conduire une voiture tout court. Ouais, mais est-ce que t'as déjà conduit une voiture de golf? Comme ceux qui sont dans les réseaux du USA. Je sais pas si tu vois exactement de quoi je parle. Non, je vois pas de quoi il parle. En fait, c'est des petites voiturettes. Non, mais merci, je sais ce que c'est qu'une voiture de golf. Ah voilà. Je vois pas le rapport avec les singes. Ah, bah en fait. Y a un meme sur TikTok. Oui. C'est un singe qui conduit une voiture de golf. Bah, c'est très drôle. Ah ouais, bah ça a l'air, dis donc, raconté comme ça. Bah forcément, quand c'est toi qui raconte, c'est chiant. Mais enfin, c'est ouais. Ça, peut-être parce que c'est chiant de base et que les gens ils rigolent pour de la merde. Pourquoi t'es aigri sur ça? Je suis pas aigri, je suis bourré, c'est pas pareil. Pourquoi t'es aigri quand t'es bourré? Je sais pas. Ça va pas. Moi si. On va en parler. Hein. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'écoute l'histoire de Jordan. Ah! Oh! À l'aide! C'était un down throw genou. Ouais, mais de la pendant du stage, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai droit. Tu me raderas comme ça autant que t'en auras envie, mais c'est pas grave. Rate comment il s'étend, il fait enjouer au fage. Incroyable. Bon, y a moyen que ce soit fini à cette game là, chers amis. Vu comment c'est parti. Ça a l'air complexe. Fermerai-je ma gueule? Oui. Fermerai-je ma grosse gueule? C'était une phase très stylée, on doit l'admettre. En fait, tu vois. Je pense qu'il y a aussi un truc purement animal dans le fait de réagir au truc de Falcon. Dans le sens où c'est vraiment visuellement l'intensité du coup qui doit générer autant de ferveur. Parce que tu vois, les phases de combo de Samus, à part quand elle t'envoie une grosse charchotte dans la gueule, il n'y a rien de vraiment... Bam. Tu vois, voilà. Si le F-Smash. Le F-Smash de Samus, ça va se coûter... Mais sinon les autres trucs, t'as pas vraiment ça, c'est plutôt léger comme coup, même si ça envoie relativement loin quoi. Peach là, ça baffe, tu vois, là, quand tu mets une baffe de Peach, t'es en mode... Ah, c'est pareil ici. Quoi? Bon, la F-Ro, voilà, c'est, je veux dire, c'est un...
C'est pas hype. Je te parle de la baffe. Ah, de l'affaire. Ouais. Bah, c'est une belle baffe aussi. Hein. Ouais, mais elles font pas un grand élan pour t'éclater la gueule, tu vois. Moins que sur la F3. La faire, tu veux. Oui. Pardon. Oui. Allez, tout. Ah. Donne-nous tort. Puis après, j'imagine qu'il faut que je me casse parce qu'il faut que je rentre ces légumes à touffe que j'ai kidnappé dans mon frigo. Oh putain. C'est vrai que vous êtes à la map tous les deux. Ouais. On a arrêté de distribution tous les deux. Il a raté une occasion unique de me filmer dans mon habitat naturel. Les légumes ? Balancer des légumes. Y'a pas de navet. Ah, y'a pas de navet. Effectivement, on est en été, les navets c'est un peu passé. Toi, quand t'étais en hiver, t'en avais pas mis deux. En hiver, j'en ai eu une fois. Ouais. Tu vas être content. Mais j'aime bien les navets. Ouais, je trouve ça neutral. Moi, j'aime Mobile. Oh. Ah ouais. Ça se profile bien. Ça se profile très bien. Oh, c'est bon, c'est la mort. Ah non, c'est pas la mort. Ah, c'est la mort. Encore. Ouh, yo, c'est dangereux tout ça. Oh là, c'est très dangereux tout ça. Ça fait tellement peur, Fred. Ah bah, t'as une fusée qui te fonce dessus, évidemment, t'as peur. Oh. Littéralement. Oh lolo, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh lolo. Ça suffit. C'est du gâchis de charshot, ça, monsieur. Ça suffit. Ouais, bah t'aurais pu la tirer dans le vide quand même. Comment ça, 64% de cancel, touf? Le L. Bah non, c'est le L cancel, frère. Pas le R cancel, connard. Ouh, le match-up secret anti-touf. Attention, oh merde. Il va faire des whiz kicks. Touf, il va tous se les prendre. Tu penses? Oui, c'est contre. C'est statistique. C'est statistique. Touf, tu fais un whiz kick n'importe où sur l'écran. Il se le prend. C'est moi ou ce Ganondorf? C'est vraiment le Ganondorf original en fait. Ah oui. Genre le mec il voit un invert, c'est fini quoi. Il se fait détruire instantanément. Comment ils ont vraiment voulu faire autant d'informations sur ça. Oh. Voilà, tu vois, c'est QFD. J'en aurais refait un autre mois. Ah oui, moi aussi. Je serais pas touché, parce que j'ai pas le swag d'AFA. Bam. Yoshi Story Ganon. Ah bah, c'est un sacré counter pick, hein. Mais en vrai. Oh là là. Savon. Ouais, je crois que je me suis tapé le savon. Il a eu la dragée de Bertie Crochu. Il a fait un sale d'orange. Est-ce que c'est bon? Pour l'instant, ils n'ont pas spécialement de goût. Parce que sur la photo, il y a un cas. Ah non, il y a deux côtés, c'est pas la même chose. Ah. Ça serait cherry ou cinnamon? Oh, si c'est. Ouais, non, je pense que c'est cannelle, effectivement. Okay. Attends, et le bleu clair. Le bleu clair, je pense que c'est saut. Et le bon, il y a un bleu clair bleu. Ok, ouais, bon, je me suis bien bouffé du savon. Bon, ça allait. Ouais, vas-y. Ah non, moi j'ai eu cannelle, c'est le meilleur choc que je pouvais jamais avoir. Allez, le marron, je sais pas ce que c'est. Là. Allez, vas-y. Putain. C'est parti pour le fond, je vais. Moi j'ai tiré le Stitch. Non, bah ça, il doit être pas mal. Ouais. Ah, mais cannelle, incroyable. Ah, c'est peut-être. Oh, Pega, il a tiré les pires trucs. Réglisse. J'essaye de. C'est pas ou c'est dégueulasse?
j'ai l'impression que c'est du gravier. Du gravier, mais ça a du. Depuis quand tu connais le goût du gravier? J'ai eu 6 ans à un moment donné dans ma vie. Oui, mais moi aussi, mais j'ai oublié depuis. Alors potentiellement, il y a poivre noir ou poussière. Ah, poussière, ouais, je pense que poussière c'est pas mal. Oh, je t'avais poussière, ouais. Poussière. Oh, Pega, il est incroyable, il a eu poussière et savon. Et savon. Tu sais, au moins j'aurais pu faire l'un après l'autre, tu vois. Ah, c'est sympa. Non, mais cannelle, c'est bien, moi j'aime bien la cannelle. Normalement. Ils sont grave ok sur les goûts de Berlin. Bah, je sais pas, Jordan est tombé sur un pourri, ça avait l'air dégueulasse. Pourri, il avait déjà goûté. Mais comment ça se fait que vous ayez une chance aussi incroyable? Ouh, c'est loin ça, ouais. La terre est basse. Bah, merci bien, Link. Merci, Link. C'était sympathique. Non! Oh le. Ah, ça mérite un ban d'une semaine au moins. Ça mérite un gros whisky dans la gueule. Vas-y, AF. Montre-lui, t'as une stock d'avance de toute façon, tu peux te permettre. Ah, j'avoue, je suis lui dessus là, il mérite. La la la, des missiles, ça veut pas se battre, down throw. Alors tente des trucs, mais des trucs qui peuvent marcher aussi, toi. Vas-y. Oh! 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 J'ai cru qu'il a dit. Le whisky! Edge cancel whisky! Attends, il réfléchit là. Non, vas-y, en fait, arrête. En fait, tu peux pas être stylé avec Ganon, non, mais quel bâtard, tu peux pas être stylé avec Samus non plus si tu vas par là. Si, dans Metroid. Ah oui, c'est vrai, mais on l'a pas fait ça. Non, mais jamais de la vie ça passe ça. Bon, si, ça passe surtout. Oh là là, la grosse fer dans la gueule. Oh, le moonwalk, allez hop, moonwalk. Ah mais ce singe, c'est le pire que tout le zoo. Ok, c'est pas moi le pire singe, je suis content. Ah non, clairement. En vrai ce serait passé sur la team. Et bah alors. Voilà, tout ça pour un Shilpo qui a la backer, c'est vraiment nul monsieur. C'est sûr ça tu finis le tournoi. C'est sûr ça tu finis le tournoi. Putain. Non, pas bien joué. T'as gagné une boisson, GG. J'ai essayé. Ah oui, non. C'est vrai, c'est clair avec Galen contre Samus de faire des trucs stylés. Ouais, ça doit être ouais, ça. Mais ouais, mais c'est à Samus de Touffe, tu peux le whisky que ça marche. En même temps, à chaque fois je fais un autre coup. Ouais. Quoi? La pétrie. Chaque fois que je prends un whisky, je suis en train de faire un autre coup. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux plus rien faire. Bah, après, je sais pas si t'avais remarqué, c'est pas non plus un shine. Quoi. C'est un wave shine. Si je suis bloqué dans une animation tout le long, je peux rien faire. En même temps, si t'es à distance de Whiskick de Ganon et que t'as lancé une animation qui est plus longue que le Whiskick, c'est une animation qui a aucune chance de le toucher, on est bien d'accord. Mais. Je veux dire, genre. Si je space, c'est par exemple un uptilt. Oui, mais. Pourquoi tu voudrais spacer un uptilt si le mec il est à portée de down B? T'as aucune chance qu'il te touche. Bon, si pourquoi? Je suis à portée d'uptilt. Oui, mais si t'es à portée d'uptilt. Je te parle de s'il est à portée de down B, genre non, à la fin du down B, quoi. Non, je vais rien faire. Mais c'est pas celle-là qui me touche. Bon, c'est tout ce qui te touche, non? J'en ai évité deux à la fin. Ah, j'avoue. Non, mais après, je te respecte pas. J'ai eu poussière et savon. Putain, y'a trois poivre noir, ça va être banger. Moi j'ai eu cannelle, franchement. Bon, des bisous les gens, bonne nuit. Ouais, moi je vais rentrer parce que sinon Touffe il va me tuer. Moi, déjà vais... qu'il a déjà fait 12 fois. Moi je vais dormir. Et à la semaine prochaine. Ouais. Et à l'Arcamini. Ciao.